Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo vlog. Il est 13h49 le vendredi 26 février et donc je vous prends pour une petite après-midi avec moi. Ce soir je vais sauter avec la jument, avec Miss, donc je vous filmerai ça en cambox. Donc je vais profiter tout de suite d'avoir cours à 14h, donc dans 10 minutes à peu près. J'ai cours jusqu'à 16h et je vais en profiter pour mettre à charger le caméscope et la cambox pour pouvoir vous faire des petites images après. Donc je vais 2h en cours et après on va s'occuper du matériel et d'aller au club, donc je vous emmène avec moi. Alors, je vous retrouve dans ma sellerie. On va remplir ma caisse de pansage. Ça fait depuis le deuxième confinement, depuis octobre, que je n'ai pas pris ma caisse de pansage au club. Mais là, aujourd'hui, je décide de la reprendre. Donc, elle est vide. Je crois qu'il reste deux brosses dedans, les brosses que je m'en sers pratiquement jamais. Et donc, on va la remplir. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Déjà, il y a un vieux masque. Alors déjà, ça poubelle, hein, clairement. Et en fait, s'il reste un peu... J'ai des crins. Enfin, c'est un peu du bordel et du n'importe quoi. Ouais, c'est pas terrible. J'ai encore ma boîte à bonbons. Donc déjà, je vais commencer par remettre des bonbons dedans. J'ai récupéré aussi ce qui me servait de sac de pansage quand j'allais au club depuis octobre. Donc, pour commencer, j'ai dit les bonbons. Si vous entendez du bruit, c'est mon chien qui est derrière. Alors, j'ai décidé d'utiliser les fruits rouges de chez Kramer. Parce que ça fait assez longtemps que j'en ai pas donné. Donc, eh bien, on va changer des HDCP et des Kramer bananes. Et je vais finir par mettre les petits morceaux de mon liquide banane. Il n'y a que Tiki qui aime bien. Miss, c'est pas son truc. Mais je vais, c'est un peu galère le packaging comme ça. Donc, je vais... Hop, le casser en morceaux et le mettre dedans. Je le donnerai à Tiki. Hop, ça c'est bon. Du coup, en produit pour les pieds, je vais prendre le baume d'entretien que j'ai fait moi-même. Donc je vais le prendre. Ah voilà, j'ai envie d'essayer le baume aujourd'hui, j'essayerai l'huile hydratante une prochaine fois. Donc, eh bien, je regarde quand même que ça soit bien fermé et je vais le mettre dedans. Ah voilà, il me faut donc un pinceau. Ensuite, on va faire les crins. Je vais avoir besoin de ma brosse à crins et d'un démêlant. On va prendre le démêlant de Noël puisqu'il va falloir que je le termine. Donc voilà, on prendra le démêlant d'été une fois que celui d'hiver sera terminé. Surtout que les températures sont plus chaudes, mais pas non plus de là à mettre le truc d'été plus celui d'hiver. Et ensuite on va commencer du coup par les pieds. Alors un cure-pied et une brosse à pied. Alors si vous êtes beaucoup à me demander c'est quoi c'est la marque de cette brosse là, en fait c'est une brosse chez Action pour nettoyer les sols ou je sais plus trop quoi. Et en fait c'est génial, les poils sont courts, ils sont super durs, donc bah clairement ça fait le job. Ça fait 2 ou 3 ans que je l'ai et elle est même pas abîmée. Donc voilà, ensuite étrille, je vais prendre ma caoutchouc et ma magic brush comme ça. Mais je vais aussi prendre une magic... Ouf, je me suis foutu un truc dans la tête. Une magic brush plus dure. Parce que comme Ticket, notamment Ticket, est tondu mais a une poêle un peu bizarre. Quand c'est de la terre séchée dessus, c'est un peu galère à enlever. Donc on va utiliser ça. Mais ça me fait pas... J'ai pas ce problème là. Bouchon. Un bouchon normal de chez Kramer. Et un bouchon lustrant de chez... Et ça me paraît pas trop mal. Bon, j'ai donc décidé, je vais mettre des petites guêtres marron. Et du coup, en tapis, je pense que je vais mettre le marron et beige. Oui, mon chien, j'arrive tout de suite. Je pense que je vais mettre le marron et beige. Mais bon, donc on se retrouve au centre équestre.
Je vous reprends pour faire le débrief de ce cours là, donc on est donc le lendemain. Pour faire très rapidement, puisque j'ai pas forcément envie de vous commenter le cours, mais de vous le laisser comme ça. Donc déjà, j'ai pas utilisé ma Cambox, puisque tout simplement, c'était les vacances au centre équestre et que bah, des gens ont bien voulu gentiment me filmer, donc voilà. Filmer à l'iPhone, donc qualité un peu inférieure à si j'aurais pris mon caméscope, mais j'avais pas pensé. Et clairement, vous avez quand même des belles images. Donc voilà, on a travaillé autant la technique avec le petit truc à la fin, un petit enchaînement d'options, si on appelait ça comme ça, de tournant serré et de travail aussi sur la hauteur avec les deux gros auxerres. Ça faisait pas mal de temps qu'on n'avait pas et enchaîné et sauté gros. Donc voilà, fallait le temps qu'on se remette ensemble, mais plutôt très contente de la jument. Elle a très bien sauté, on n'a fait aucune barre, aucun refus, aucune hésitation, même sur le gros auxerre de la fin, alors que moi, clairement, j'étais en mode, elle serait arrêtée, ça aurait été de ma faute. Donc voilà, la jument très bien, elle a pas jeté les fesses une seule fois, elle était contente dans les tournants serrés, un peu comme tous les chevaux où on les plie un petit peu, donc voilà, ça leur tend la colonne vertébrale, ils aiment bien. Mais franchement, beaucoup de positifs, donc j'espère que cette vidéo vlog vous aura plu, et donc on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!